Yo! Ouais, c'est bon. Logiquement, vous m'entendez là. Alors, par contre, je n'entends pas la musique en fond. Je crois que j'ai un petit problème audio. Bonsoir les crows, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Salut Gali, salut Jab, salut Anaïs, salut Scar, salut Marina, salut Fiona. Salut Yson, salut tout le monde, salut Kaichou. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va les crows? Comment allez-vous en ce vendredi soir? Début du week-end, c'est plutôt sympa. Week-end ensoleillé. Que demander de plus, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Peut-être un live de Toshi. Bon, on y va. Allez, nouvelle partie. Je vais augmenter le son du jeu, du coup. On va se mettre bien. Voilà. Et puis c'est parti donc pour The Nightfall, les crows. Dernier jeu en date des développeurs de Pinview Drive. Donc forcément, on va Hi, retrouver honey. des Do you choses think de they'll still Pinview be on the Drive. way? Hopefully, by the time you're hearing this, you've already arrived safely to the new house. The movers should have finished setting up our furniture in all the right places by now, but we'll take care of the rest as soon as we're there. The kids and I cannot wait to see you tomorrow. D'accord. I'll pick up the kids straight from school tomorrow, and then it should only be about 4 hours until we'll be with you. Oh, also, I hope you can sleep well tonight. Try not to be too nervous about starting work tomorrow. I'll try to call you later to wish you good luck on your first day. The children and I are really looking forward to tomorrow. I'll see you later. We love you. Alors, on incarne donc une femme, c'est ça, et on a décidé de déménager avec notre famille. Donc nos deux enfants et notre mari qui ne sont pas encore là et donc va falloir attendre le lendemain pour les voir. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok. Donc on va passer la nuit seul dans cette nouvelle maison. J'imagine qu'il va se passer des choses absolument terrifiantes. Eh, je suis sympa de vous faire un live ce soir les crows. Hein. Il y a God of War. Hein. Eh, il y a God of War juste à côté là. Compliqué, hein. Compliqué. De ne pas céder à la tentation. Ouais, super I, hein, surtout, ouais, voilà, faut me laisser un peu mijoter. Il est 20h, 10h avant le lever du soleil. Bienvenue dans le jeu The Nightfall. Alors j'espère que la qualité est bonne pour vous. Utilisez les touches ZQSD pour vous déplacer. Ok. Pinview. Moi je vois Pinview Drive là, je suis désolé, hein, mais. Je vois Pinview Drive là. Oh, c'est les mêmes bruits de porte. Vous vous souvenez de ça? Va encore falloir trouver des putains de clés. C'est sûr. Il va y avoir des clés à chaque coin de la maison. Voilà nos valises. Ok, très bien. Donc on vient d'arriver. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter un petit peu cette magnifique demeure. On va allumer les lumières aussi. Alors on peut toujours... Super ambiance de début, tic tac tic tac. Salut Steph. On peut ouvrir toutes les... Tous les tiroirs. C'est plutôt pas mal. Bon. Non, c'est clairement Pinview Drive là. C'est dingue la ressemblance. C'est Pinview! On va allumer toutes les lumières. Je sais pas ce que vous en pensez, on va allumer toutes les lumières. Oula! Ah, j'ai pris un œuf. Alors, vous le voyez pas avec ma cam, mais il y a un œuf qui est apparu. C'est quoi ce bordel? On peut ramasser des œufs. Ça, par contre, dans Pinview, il n'y avait pas. Ah, on peut mettre. Un œuf au micro-ondes. Alors attendez, il va se passer quoi du coup? Coucou Stefano. Est-ce qu'il va exploser? Ah oui, il explose. D'accord, ok. S'ils veulent. Je n'aime pas la bière. Moi j'aime la bière. Toshi qui fait ses courses. D'ailleurs, merci à Kaichou qui m'a gentiment offert le jeu sur Steam. Merci à toi, Kaichou. C'est vraiment gentil de ta part, du coup. Puis ça me permet de vous le faire.
Bon, y a rien dans la cuisine là. J'essaie de fouiller un petit peu. Ah, on a un message. Hopefully, by the time you're hearing this, you've already arrived safely to the new house. The movers should have finished setting up our furniture in all the right places by now, but we'll take care of the rest as soon as we're there. The kids and I cannot wait to see you tomorrow. Oh, il y a une clé. Oh putain, on a trouvé une clé. Ça y est, ça commence. Eh, je vous l'avais dit. Hein. Eh, je vous l'avais dit. Quoi, l'épouvantail dehors, c'est une blague. Try not to be too nervous about starting work tomorrow. I'll try to call you later to wish you good luck on your first day. Children and I are really looking forward to tomorrow. C'est une blague ou quoi? Attends, il y a vraiment un épouvantail dehors? C'est une blague. Il y a l'épouvantail dehors? Quoi? Non. T'es con là. Oh, il y a des bruits. Il y a des bruits déjà. Il y a des bruits d'épouvantail. Par contre, oh! D'accord. Je vois pas d'épouvantail. Hein. Non. Par contre, j'ai chopé une clé, les crocs. Ça, c'est très bien. J'ai chopé une clé, donc c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de trouver la porte. On va essayer celle-ci. Non, elle était déjà ouverte. C'est laquelle qui était fermée. Je crois que c'était celle-là. Yes, c'est ça. Ah, du coup, on peut aller dehors. C'est cool. Bonsoir, Arizona. Ben, ça va très bien. J'ai loupé des choses. Bah ben, écoute, pour le moment, non, pas grand-chose. Je viens de commencer. Alors, j'imagine qu'il y a une lampe aussi à choper, hein. Sympa cette rue là. D'accord. Un petit barbecue, putain, sort d'un barbecue, les crocs, j'en peux plus. Alors, est-ce qu'il y a un truc à choper dans ce jardin? Je dirais que non. Alors, il faut que je chope la lampe absolument. Il faut que je chope la lampe. La lampe est en haut, je crois. Oh putain, j'ai pas été en haut, attends. Eh, je suis en train de fouiller en bas. Oh putain, c'est moi qui fais ça? Eh, on me la fait pas, moi, hein. C'était pas là tout à l'heure. Hein. Eh, y a 2 minutes. Les... Oh là, il se passe des trucs dans cette maison, j'aime ça. Eh, c'était pas comme ça tout à l'heure. Hein. Je sais où vos enfants dorment. Je vous observe. C'est quoi ce bordel? Oh! Ça y est. 1 heure. On a réussi à faire... Ah ouais, donc c'est vraiment comme Pinview Drive. Chaque heure, en fait, il y a quelque chose qui va se passer chaque heure de la nuit. Et il faut qu'on arrive à 10h du matin. Ok, c'est bon. Je viens de piger. C'est cool. Par contre, faut qu'on trouve la lampe. Et ouais, j'ai pas été fouillé à l'étage. Ok. Il est 20h30, 9h30 avant le... Ah non, c'est toutes les demi-heures, d'accord. C'est toutes les demi-heures, c'est pas toutes les heures, ok. Donc là, c'est 30 minutes plus tard. Et regardez les chaussures. Les chaussures ne sont plus là. Hein. Bonsoir, Cassie. Et bonsoir à ceux qui arrivent, là, c'est cool. Bonsoir, bonsoir. On va aller fouiller en haut, tiens. J'ai pas été tout à l'heure. Effectivement. Hello. Oh. Oh, l'animation des tiroirs tellement lente. I need matches to light this. Une guitare, ok. I need matches to light. Vous imaginez, on voit un épouvantail dehors. Ce serait tellement énorme. Je serais comblé. Encore une salle de bain, putain. Ha. Oh. Peut-être plus tard. Putain, c'est quoi ça? No thanks. My legs are shaking enough already. Mes jambes tremblent déjà, c'est comme ça. Est-ce que c'est un god? Not yet, little friend. I would like to focus on my career now. Je crois que c'est un god. Loul. Excellent. Ce jeu est surprenant. Hein. Un god. D'accord, on a un PC. Oh, on a un rat. On a une souris, hein, je sais pas. On a un animal. Alors, est-ce que je dois lui donner des œufs? Non.
On a un rat. Bon, les crosses, dites-moi où est la lampe là. Putain, j'étais bon. Oh la lampe! Oh, oh yes! On a la lampe. C'est bon, on est sauvé. On est sauvé. Ah, il y a une disquette aussi. Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé pour ouvrir l'inventaire. Ah bah tiens, on va aller lire sur le PC la disquette. Elle va peut-être nous apprendre des trucs. Comment on fait? J'en ai un. Ah non, c'est un disque. D'accord. Bonsoir, Lilix. Bon, on a une lampe, ça c'est cool. Bah écoute, on va descendre, je crois qu'on a tout fait. Bam. En fait, vous savez quoi, j'ai tellement... Les chaises. Putain, les chaises. C'était pas comme ça. Je sais pas. Peut-être que j'hallucine, dites-moi. Je suis sûr que tout à l'heure on est passé ici et les chaises n'étaient pas sur la table, je l'aurais remarqué. J'adore, putain, je sais pas pourquoi. Je suis amoureux de l'ambiance que dégage leur jeu. C'est bizarre, hein. Pinewood Drive, j'ai kiffé. Puis le fait d'être dans une maison et de voir au fur et à mesure des choses qui changent, des choses qui bougent dans la pièce, rien que ça, moi, ça me fait kiffer. Alors le seul problème, par contre, c'est de devoir fouiller toute la maison à chaque fois. C'est un peu de la merde, par contre. Ah putain, si! Bien joué. Nous accusons réception par la présente de votre demande de fin de bail locatif. Nous prions d'accepter toutes nos condoléances. Nous comprenons parfaitement votre désir de quitter la maison plus tôt. Tout particulièrement en sachant ce qui s'est passé dans la maison de l'autre côté de la rue. Quoi? We can only dissolve the lease completely once a new tenant has been found. However, the Miller family showed great interest. Your phone number on the separate business card attached. I will leave it to you, of course, whether you want to inform the Millers about the past events in the house. Sincerely, Garrison Morve Rental, January 5, 1970. Putain, ça. Ah, yes, c'est bon, on a réussi. Ok, 9h. Donc 30 minutes plus tard encore une fois. Donc en fait le jeu ça va être ça les crousins. En gros voilà, c'est, si c'est comme Pinview Drive, il va falloir qu'on trouve une note toutes les demi-heures. Et il y a un truc qui va changer dans la maison, des apparitions, des trucs bizarres. Voilà, donc là il est 21h. 9h avant le lever du soleil, let's go. Donc là notre but c'est de... Regardez, les chaises sont revenues à la normale du coup. Notre but c'est de trouver la troisième note. Et on va avancer dans l'histoire, bah comme ça tout simplement. Donc là on fait bien gaffe parce qu'il faut bien retenir en fait ce qu'on voit dans la maison. Parce que quand la demi-heure passe, et bien il y a des choses qui changent et c'est ça qui fait bader. Ça fait totalement bader ces trucs là. Il y a des bruits bizarres les creuses. Il y a des bruits vraiment bizarres. C'était pas la telle heure d'espèce de... Non, Jerry got out of his cage. Oh! Find him and take him back. Mais c'est lui qu'on entend! C'est ces petits bruits de pas! Jerry! Jerry s'est enfui. L'enfoiré. Ok, donc il faut que je retrouve Jerry. Putain, ça va être excellent ça. Mon petit Jerry. Tu sais que j'entends tes petites papates. Tu le sais. C'est lui le boss du jeu. A tous les coups, c'est ça. Mon petit Jerry. Oh, Jerry. Ah, il est là ? Oh putain, il est là ! Il voulait du poulet. C'est mon poulet, c'est pas le tien, Jerry. Ah, il faut que je le remette. Oh putain, la pizza ! La pizza, putain ! That was tasty. Ah bah putain, putain, c'était pas cramé, c'est étonnant. Bon, on a le petit Jerry, on va le remettre dans sa cage. Ta la la ta 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 ta. Bon, moi je suis content pour un truc, dans ce jeu il n'y a pas de clown et il n'y a pas d'épouvantail. Comparé à Pinview, ça c'est plutôt cool. Allez, on va là-dedans. Salopard. Je sais pas comment il a fait pour sortir, c'est bizarre aussi ça. Bah la lettre doit être dans la pièce du rat, hein. Enfin de l'hamster, hein. Logiquement. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça commence.
C'est ça que je kiffe, putain. C'est plus tu vas avancer dans le jeu, et plus il va se passer des trucs. Tu t'y attends pas, c'est flippant. Il se passe tellement rien que quand t'as une porte qui claque, t'es à bout, quoi. Bon, alors, il y a peut-être une apparition, ça a été très vite, j'ai pas le temps de voir. En tout cas, il y a clairement eu quelqu'un là. C'est pas ça, hein. C'est toi, Jerry? Est-ce qu'il n'y a pas la lettre ici par hasard? Oh là là. Ah, la note est là, putain, la note est là. La troisième note est là. Frederick and Maggie Harsons have reported their children Mike 9 and Valerie 8 as missing. Ah putain, d'accord, une disparition d'enfant. Street corner on the afternoon of the previous day, the 12th of November, with their dog Molly. Only the dog returned to the house with a slight cut on its paw. The children did not turn up at friends or neighbors. These have given reports of a conspicuous ice cream truck that doesn't sell anything but just cruises around the neighborhood. The authorities are investigating the vehicle. A few eyewitnesses report a driver in a clown costume. No! Oh non, 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 pas un clown. S'il vous plaît, pas un clown. Donc en fait, il y a une disparition d'enfant. De toute façon, vous l'avez lu, hein, vous avez compris. Une espèce de camion de glace qui enlève les gosses, conduit par un clown. Et là, du coup, vu que ça parlait de clown, j'ai très peur. J'ai très peur. S'ils ont mis le clown dans le jeu, s'ils ont mis le clown dans la maison, ça me rappelait tellement de mauvais souvenirs que j'ai peur. Bon. Oui, bueno. On verra. Oh putain, j'ai peur de voir un clown assis sur une chaise. Bon, il se passe rien pour le moment, les crosses, c'est safe. C'est cool. Ne vous inquiétez pas. On va se rafraîchir un petit peu. Tout ira bien. Voilà. Oh, c'est le marchand de glace, putain, je sens que c'est le marchand de glace. Ça a sonné à la porte d'entrée. C'est le marchand de glace, c'est ça? C'est le clown. Oh! J'ai pas le choix que d'ouvrir les choses, vous le savez. C'est fermé. C'est fermé, je peux pas ouvrir. Ok. Oh, la tension monte, hein. La tension monte de ouf. Oh ah ! La chaise, elle bouge. Il y a des ballons. Oh, oh, j'ai des frissons. J'ai des frissons dans tout le corps, là. Oh, il y a des ballons partout. Ah, putain. Elle est où, la clé? Dites-moi où elle est, la clé. On va voir un clown, putain, non. Hey, je veux pas voir le marchand de glace, hein. C'est mort. Je ne veux pas voir ce putain de marchand de glace. Je vous préviens. Ça va chier. C'est énorme. Putain, c'est trop bien fait. Ouais, là c'est vraiment bien fait, par contre. Suis les ballons. Ça va pas le faire, hein. Oh putain. La note. I know you like yes! Balloons. All children do. I have more in my ice cream truck. Yes! Donc là, ça a dit les enfants aiment les ballons, j'en ai plein dans mon camion de glace. Eh, c'est pas mal, vous avez vu comment la tension elle monte petit à petit là, c'est. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Ça me donne tellement envie d'un Pinview Drive 2 quand je vois ça, putain. Il est 22h. 8h avant le lever du sommeil. Et maintenant, que va-t-il se passer? Parce que c'est ça la question. Ok, bon. J'espère que l'histoire des ballons et des clowns, bah c'est fini, parce que... Oh putain. Et ils mettent tout, hein. Ah, ils mettent le paquet, hein. Ah non! Pas toi! Après les ballons, c'est les poupées, c'est ça? Putain, les gars. Bon, ça va, sa tête ne tourne pas. C'est plutôt safe. Oh merde! La porte vient de s'ouvrir. La porte là vient de s'entrouvrir, les creuses. Et merci, Diable, pour ton petit don, hein. Attention à ce que vous touchez, petite main. Bon, cette porte vient de... Ah! Mais c'est très bien, ça. Tu crois que j'ai peur? Tu crois vraiment que j'ai peur? Non, mais tu te fous de ma gueule. Tu crois vraiment que j'ai peur d'une porte qui claque? Boum! Boum! Ok. Boum! Boum! C'est safe. I need matches to light this. Pourquoi cette porte a claqué? Il devait y avoir une raison. Pourquoi cette putain de porte a claqué? Quoi? Vous avez entendu? Ça fait un... Un truc comme ça. Je le fais un peu mal, mais... Et avec une espèce de... On aurait dit une porte qui se déverrouille. Ça venait de... Je sais pas. Ça venait de quelque part. Putain. Eh, si c'est la poupée... Ah! D'accord, quelqu'un à l'extérieur m'a enfermé. Je peux plus sortir. Je peux plus aller dehors, je peux plus aller dans le jardin, on m'a enfermé. Super. Nice. Ah yes, bien joué. La note est là. You fell for my trick. I will not let you go. You are like the children I never had. Nice. 22h30. 7h30 avant le lever du soleil. Oh! Une clé! On vient de choper une clé. Alors, ça veut dire que soit ça réouvre le jardin. Non, le jardin est toujours fermé. Ça ouvre celle-là. Ça ouvre cette pièce. Ok, nice. Le garage. 8. La lumière. Ok, c'est good. Nouvelle pièce dans la maison. Le fucking garage. Ah, on a chopé une pince clean. Quoi? Ok, on a chopé une pince. Très bien. Alors j'imagine qu'on peut pas sortir par le garage. C'est un peu dommage. Des bougies. Des allumettes. Des allumettes. Ah, ici il y a un coffre-fort avec une clé. C'est verrouillé. Est-ce qu'il y a autre chose? Des bougies. Bon, écoutez, dans le garage, il y avait une pince. On va essayer de voir à quoi elle va nous servir, cette putain de pince. Pour le moment, ça me dit pas grand-chose. Oh! Et deux. Deux poupées. Deux poupées! C'est quoi cette musique? Les creuses, il y a des poupées qui apparaissent. Tout fucking poupée. Oh! Oh non! C'est un clown! J'en étais, mais sûr. Enfoiré. I can't fix the wire with it. Je ne peux pas réparer le fil avec ça. I can't fix the wire with it. Attends. J'aurais pas une petite pince qui traîne là?
Yes. Let's hope it works. Yes. Eh, heureusement que vous êtes là. Allez, on va appeler notre cher et tendre époux. Vite, vite, vite. Victoria Miller. I'm locked in my own house and strange things are happening. Un peu, ouais. Hello. Can you hear me? Oui. Yes, I can hear you and I need help. Hello? Ah, oh, putain, il nous entend Hello? Pas. Listen, this line is for emergencies only. This is an emergency. I need help. Please do not call again with that reason. Il y a eu un bruit en haut. Oh. Shit. L'enfoiré de flic. Il y a eu un bruit ici. Hein. Je ne suis pas fou, il y a eu un bruit ici. La poupée, toujours là. Elle est toujours là. Ok. Appelle le vendeur de Vibrolol. Oh mon dieu. Oh cette frayeur. Le Vibrolol. Alors je connais pas le Vibrolol. Mais je lui passerai peut-être un coup de fil après, ouais, histoire de. En tout cas, merci beaucoup, Gali. Merci beaucoup. Merci. Là, j'avoue, j'ai eu peur. Putain, j'avais le son à fond en plus. Balapapa. Oh. The whole damn evening. Yes. I drove around the district of Union Hills, only to find that the problem comes from the overhead wire. Some prankster. Actually shattered the distribution box for the phones. Who climbs up the mast and does something like that? D'accord, on a plus de contact. Nobody could make calls the whole evening. I could only fix the box next morning by daylight. Either it was just a case of vandalism, or someone wanted to stop phone calls from being made in Union Hills. C'est le marchand de glace, mon pote. Va dans le miroir de la salle de bain et clique dessus. Bizarrement, quand on me dit ça, ça donne pas trop envie de le faire. Et on va peut-être réussir à finir ce jeu. Bon, pas ce soir, mais on est plutôt bien parti là. Oh! She barks loudly when a thunderstorm comes. But leave Molly alone. Non, non, pas l'orage, non. Ils vont nous... Oh putain, ils vont nous faire le coup de l'électricité. Les creuses. Ils vont nous faire le coup de l'électricité... Dans Pinview Drive, à un moment, il y avait un orage. Ça coupait complètement l'électricité de la maison, donc on devait que s'aider de bougies et de lampes torches. C'est obligé, ils vont nous le refaire. C'est obligé. Il y a peut-être un... une énigme avec le chien. Oh, oh putain, ils ont tué le clébard. Vous l'avez vu, hein. Oh putain. J'étais pas prêt. Je m'attendais pas du tout à voir un clown. Vous l'avez vu ou pas? Je sais pas si vous l'avez bien vu sur le live. C'était un clown, voilà, il y avait une espèce de couteau et il faisait... Et comme j'avais ouvert toutes les fenêtres, j'avais vraiment peur qu'il vienne... qu'il vienne à la fenêtre et j'ai essayé de tout fermer. Ok, restons calmes, tout va bien. Ah, c'était un clown, hein, clairement, c'était un clown. C'était un clown, les creuses. Il a tué le chien. On va allumer une bougie, tiens. Broken bones. Ah, mais...
Amputations. Mais c'est bon ? Non ? Wounds. I've seen a lot of injuries in pets. Attends. Je crois que c'est ça. Molly, ah ouais, c'est ça. Dog, ah, elle est morte. I have never encountered anything like that. She would have died of internal injuries if I had not euthanized her. When I opened her, I found all kinds of silverware inside her stomach. Forks, knives, spoons, even a damn can opener. How did that get in there? The dog could never have swallowed that. At first, I thought the Harsons might have taken out the loss of their children on Molly. But when I saw the contents of her stomach with my own eyes, I thought something is going on that I don't understand. But I'll write something else in the report. An infection or something. Otherwise, I'll be declared insane. Ta mère! Putain, les fenêtres viennent de s'ouvrir. Ok, donc le chien est mort. Et c'est vraiment horrible ce qui leur est arrivé à cette famille. Parce que bah déjà, leurs deux enfants ont été enlevés par le clown. Ensuite, leur chien Molly est mort de blessures vraiment graves. Oh là 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 là, le lys qui bouge et tout. Là, ça commence, là. Bon, t'es gentil, mais... Bon, le clown est rentré. Hein. Le clown est rentré, les crosses. Cherchez pas. Il y a vraiment des bruits bizarres et tout. Ouais, le clown est rentré. Oh, putain. Ce jeu... je pensais pas que ça allait me rendre aussi stressé. Enfin, aussi angoissé. Je sais pas comment appeler ça, mais... Le clown est à l'intérieur. De la bière. Ah, je peux pas en prendre, merde. Il y a des bruits de pas. Il y a des bruits de pas dehors. Oh ! Non, l'électricité, me lâche pas. Me lâche pas l'électricité. S'il te plaît. S'il te plaît, ne me lâche pas. Ah non, 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 non. C'est Georgie qui s'est fait enlever dans les égouts MG. Ça pourrait être lui. Hein. En plus, il pleuvait. Quand Georgie se fait choper dans les égouts, il pleut. Hein. Wait, Ethan, do not hang up. I'll be right there. Okay, please call me back immediately when you hear. Mais va répondre, connasse. Ethan, wait, don't hang up. Love you. Ah, love you, love you. Shit. Je t'en foutrais des love you. Ah merde, on a loupé son appel. Shit. Shit, shit, shit. Hey honey, it's me again. But by now you should actually be there. Ah putain. Come on, please, I'm starting to worry. Honey, are you there? Okay, please call me back immediately if you hear this. Merde. Ah, la note est là. I can control you? Je peux vous contrôler. Vos jambes? Your arms? Vos... Ah, c'est pour ça qu'on était resté bloqué. On pouvait pas répondre au téléphone vu qu'on était bloqué en fait. Ah voilà, c'est ça. Ah d'accord. Yes. Minuit là du coup. Je crois que là on est arrivé à minuit déjà. T'as Stefano qui m'a dit la note c'est la notice d'emploi pour... Non attends, c'est qui m'a dit ça? Y a Yum Jung qui me dit la note se trouve dans la chambre où se trouve le truc moins 18. J'ai couru directement dans la chambre où il y avait le god. Oh putain, il est minuit, ok. Ok, ok. Il y a des rires d'enfants, ok. Il y a des putains de rires d'enfants. Et maintenant on sait que le clown peut nous... Bah peut nous bloquer. Je sais pas, il peut nous bloquer. Ah bah voilà une nouvelle poupée toute mignonne. Que j'apprécie tendrement. Que je chérirai avec amour et tendresse toute ma vie. Loul. Nouvelle poupée. I already have five candles. Oh, you already five candles. That's so dommage.
I already have 10 matches. Faut pas que je rappelle mon mec là. Continue s'il te plaît, j'ai envie de te dire hein. Va dehors, mais bon, je peux pas aller dehors. Oui, continue. Fais le fou et ouvre les fenêtres. Oui, continue. Il a déjà maté toute la maison là. Ouais, je viens de faire toutes les pièces. Je viens de faire absolument toutes les pièces. Bon, par contre, j'ai pas fouillé tous les tiroirs, bien entendu, mais... I've already 10 matches. That's so nice. J'aimerais bien aller dehors, mais je suis toujours enfermé. Ah. Quoi? Le... Jerry s'est rebarré? J'ai entendu des bruits de pattes. Oh le bâtard! Oh non! Jerry got out of the cage again. I need to find him. Ah non! Ah, oh, il va être chiant. C'est chiant, il va être chiant de trouver. Jerry, tu casses les couilles. Tu casses les couilles, mon pote. J'ai pas que ça à foutre. Enfin, si, j'ai que ça à foutre en fait. Hein. j'ai que ça à foutre en fait. Oh! Oh God, les this disgusting. Fils de pute. C'est pas vrai, putain. Ils ont pas tué Jerry là. I'm not touching that. Ah mais non, ils ont... Putain, c'était mon seul ami dans ce putain de jeu. I'm not touching that. Oh les fils de pute. Oh God, is this disgusting. Avec un petit œuf, ça passe, non? Attends. Si je mets un petit œuf là. Oh God, is non this disgusting. Tant pis pour toi. En vrai, je suis dégoûté parce que Jerry, c'est... À chaque fois que j'étais pas bien dans la maison, j'allais dans la pièce où il y avait Jerry et ça me remontait le moral. Bah là, du coup, je vais venir dans la cuisine et je vais mater le micro-ondes. Oh God, is this disgusting. Je sais pas si ça va me remonter le moral aussi, mais... En tout cas, je suis un peu dégoûté. Pray for Jerry. Bon. C'est un peu con, mais bon, on va essayer de retourner à sa cage. Peut-être il y a un deuxième Jerry qui est apparu, hein. Oh God, Jerry. Quoi? Here you are. Mais what the hell is in the microwave? Ah, c'est génial. Ah, la tuitanation, les crozes. La tuitanatation. Je vous jure, je le savais pas. Je vous jure, je le savais pas. Eh, avant d'entrer, je fais mais attends, ça tombe, il y aura un deuxième Jerry. Et donc la question en fait là, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans le micro-ondes? Ah oui. Si Jerry est là, c'était quoi dans le micro-ondes, les crozes? Bon, du coup, on a la note. Could there be a connection between the murders of 4 years ago and the disappearance of Valerie and Mike Harson? Even then, children were lured with toys and sweets. If that didn't work, the offender resorted to more drastic measures and threatened the pets, forcing the children to get into the ice cream van. They loved their animals so much. When the first victim's parents traced the murderer, he also killed them. Oh putain, il a carrément tué les parents aussi. Was never caught. For 4 years, no further incidents on record. D'accord. Donc on parle bel et bien d'un clown tueur. Hein. L'histoire de ce jeu, c'est clairement... un clown tueur dans son camion de glace qui tue les enfants, qui tue les parents, qui essaie de leur faire peur d'entrer par effraction. Voilà. Mais c'est bien, c'est pas mal. Du coup, c'était une tomate. Un croc, peut-être, je sais pas. Minuit 30. Il est minuit 30, les crozes. Une nouvelle demi-heure dans cette maison absolument magnifique. I already have 5 candles. Ah voilà, tac. On ne peut pas s'arrêter là, c'est trop intriguant. C'est vrai que c'est très intriguant, mais... Il est bientôt 23h. C'est vrai que t'as envie de savoir la suite, mais... Enfin, de savoir ce qui va se passer dans la maison, voir ce que ça va nous mener, tout ça. Alors, je prédis la fin du jeu, je prédis qu'on va mourir. Je prédis que le clown va gagner et que la nana qu'on incarne va mourir. Quoi? Continue jusqu'à minuit. Il y a l'appel de God of War. Eh, Galiel me connaît. Hein.
Continue jusqu'au bout. Ah, je pourrais pas finir le jeu, les Croz. J'ai vu un... je sais plus comment il s'appelle. On vient de sonner à la porte. Eh, vous voyez, c'est ça qui est génial dans ce jeu. Vous avez analysé ce qui vient de se passer. J'ai arrêté de jouer. Ça fait bien une minute que j'ai arrêté. J'étais comme ça, en train de regarder le chat et de vous parler. Et là, on sonne à la porte. Ce jeu est totalement aléatoire. C'est-à-dire que des fois, tu ne joues même pas et il va se passer un truc dans ton oreille. Et j'adore ça. Je sais pas, c'est... Je kiffe. Je sais pas, c'est cool, je trouve. Ah, et ça sonne une deuxième fois. Putain, il est pressé. Hein. Oh, putain. Ah, j'ai pas les clés, mon pote. Je peux pas t'ouvrir. Pizza. Eh, c'est vrai que j'ai un peu faim, là. Ça fait... Putain, les lumières se sont éteintes ici. Les lumières se... Mec, crois-moi, je t'aurais déjà ouvert si j'avais les clés. Bon, attendez. Parce que là... Putain, ça me stresse. Je vais aller prendre Jerry, je vais le mettre sur mon épaule. Je peux pas répondre, il y a peut-être la clé, je sais. Oh, putain, d'où c'est ouvert ici, là? Eh, il va y avoir un screamer, là, je le sens bien, par contre. Oh! Ah, le bâtard, il est là! Il est là! Ah! Oh, putain, c'est lui qui avait sonné. Il était là. Juste devant. Et d'ailleurs, il y a les voisins qui viennent d'allumer leur lumière, là-bas. Ah, putain, non, s'il est rentré. Je vous jure que s'il est rentré... Comment il peut sonner aussi loin? Non, à mon avis, il a sonné et il s'est reculé vers la route. Bon, est-ce que vous pensez qu'il est rentré, là, du coup? J'ai entendu des bruits à l'étage. Ce que je suis en train de faire n'est absolument pas autorisé pour les cardiaques. Les pipiles. Ah, je suis full stuff dans ce jeu, c'est incroyable. Bon... Jerry, t'es là? Ouais. Si tu le vois, balance des œufs. Il est bien le jeu, j'adore, il est bien flippant. Il est super, on est à fond dedans. Ce jeu est mortel, te voir flipper est hilarant. Oui, on adore Jerry, surtout quand il est dans le micro-ondes. Très bon jeu, presque meilleur que Pinview. Ah oui! Ah, vous trouvez ce jeu meilleur que Pinview Drive? Ah ouais! Super, il est super sympa, il met bien dans l'ambiance. Bah, je suis désolé, il y a un peu des moments, voilà, comme ça, où je tourne un peu en rond. Mais ça, j'y peux vraiment rien, les Croz, hein, c'est, voilà. Il faut, on est obligé, on n'a pas le choix, on est obligé de se balader et d'attendre le moment où il va se passer quelque chose. Ah! Attendez, j'ai un jeu The Nightfall. Oh! Quoi? Mais non! Oh, mais c'est excellent! Les Croz? Ah merde, je peux plus. Ah d'accord. C'est trop bien ce truc. Alors du coup, est-ce que ça va me permettre de trouver une clé? Genre de voir des choses que je vois pas dans la réalité. Ah, bien joué les Croz! Ah putain, vous êtes des génies. Vous êtes des putains de génies, la clé est là. Oh, mais c'est génial. Putain, mais c'est génial. Ah, oh, je vais laisser la musique, elle est trop cool. Ok, on a chopé la clé. Alors, à quoi va nous servir cette putain de clé? Alors, soit elle va nous servir à ouvrir le jardin, soit à ouvrir le coffre du garage. Et c'est ça. Il y a quoi dedans? Une lettre. Il y a... I see. You like games. Merci les Croz. Merci. Mine has very simple rules. But you play it without clothes? On joue sans vêtements. Eh, on va finir à poil dans ce jeu. On va finir à poil. 1h du matin. Je sais plus jusqu'à quelle heure il faut tenir. Oh! Oh! Oh!
saloperie d'araignée. Il est 1h, 5h avant le lever du soleil. Et bah vous savez quoi les crocs, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, on va s'arrêter là, ça laisse un énorme suspense pour la suite. Ah putain, toutes les lumières sont... Ouais, on va s'arrêter là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a l'électricité ou pas? Non, je m'en fous de ça. Oui, il y a l'électricité, ok. Hop, on va se mettre dans le garage. En fait, le problème, je vous explique, c'est que quand je... plus le live est long, plus pour moi la rediff va être longue à faire au niveau du montage. Et c'est deux heures, c'est déjà super long parce que je vais devoir couper tous les moments où on bloque, essayer de faire un condensé des bons moments, voilà, de faire... essayer de faire une bonne rediffusion. Donc 2h c'est vraiment déjà beaucoup, donc là 2h15 je crois que c'est le moment de s'arrêter. Du coup, les crocs. Prochain live. Demain. Demain. La suite de The Nightfall. Demain à 21h. Est-ce que ça vous va? Dites-le moi. Je vous dis à demain. Merci beaucoup pour ce soir de m'avoir suivi. Écoutez, ce jeu est vraiment bien. Franchement, j'aime bien. Je sais pas si, ouais, bon, si je sais ce que vous en avez pensé, du coup. Vous avez l'air de kiffer aussi, et c'est très très bien. On se retrouve demain pour la suite. On va essayer de le finir demain, je vous promets rien. Mais on va continuer, en tout cas. On va essayer de percer cette histoire de clown tueur, là. Ça m'a beaucoup intrigué. Je vous souhaite une très bonne nuit, les crocs. Faites de beaux rêves. Je vous fais plein de bisous. Merci aux dons. Ça m'aide énormément. Encore une fois, je le dis jamais assez. Ça m'aide beaucoup. Vos dons m'aident beaucoup, les crocs. Donc merci à Gali et à Diab pour ce soir. Merci à vous. Et puis nous on se voit. Ah oui, il y a le jeu à gagner. Putain, j'avais oublié. Bah, je vais go Discord pour ceux qui sont sur Discord. Allez. Comme ça, je vous ferai gagner au moins un truc sur Discord. des bisous les crocs. À demain. Et il y aura la rediff, hein, bien entendu. Rediffusion prévue cette semaine. Ciao ciao.